Alors, na direct oya lelo tokobandana na point oya liboso oyo ya ba rébellion. Oyo etali makambo ya ba rébellion. Alors, na o etali makambo ba rébellion bolimbisi na zolinga kolandela eloko moko na kata ordinateur na ngai. Na makambo etali makambo ba rébellion bandeko ya ngai, moi je vais être vrai avec vous. Je vais être vrai pour boyebinga na lobaka yango. Je suis pas quelqu'un qui a, j'ai pas ma langue dans ma poche, dans la poche, et puis j'ai dit ce que je pense de la manière la plus claire o que mutu nyonso c'est ce qu'a vandi. Azo sentir que mutu o azali koloba parle avec son cœur, azolo banam te manaye. Alors, na maye o ezali koleka ya ba rébellion, ezala, rébellion, o yo kone nanga, na batu, une partie, ya bande konabiso, ba kongole utilisé, parce que, eloko yo, il faut boye ba pati a pokwa ya lelo, ezali ke, M23, et commis scindé en deux. M23 est commis mi-balé. Mi-balé est alité que mouvement Oyo qu'on est nanga créé na batunaye bozo benga so qui mouvement ya fleuve Congo machin nde est ali M23 mi-balé te. M23 obino boyebi où ils allaient na Bounagana. Bakabwani, bakomi mi balé. Et komi mi balé. La branche Rwanda est restée du côté de Paul Kagame. Et il y a une autre branche. Il y a Bakongole ou ba Rwanda ba Ikilizaki. Qui s'est allié na corne nanga pour ba créer mouvement Oyo bozali koyo ka corne nanga a annoncé bino na semaine où les années ko s'achever. Donc le mouvement de corne nanga n'est pas le dédoublement il y a M23. Ça bino ba ndeko nanga le peuple congolais il faut botcha ya mona kati ya moto na bino. Le mouvement que Corné Nanga vous a annoncé, ils allaient dédoublement il y a M23T. Ils allaient dédoublement il y a M23T. Le mouvement annoncé par Corné Nanga, ils allaient mouvement Oyo créé par Corné Nanga et une partie, il y a Kabwani na ba M23, au Balongwe. Et dans cette partie qui s'est détachée à M23, ils allaient plus composer la Congolais ou Yoba Ikiliza qui n'est pas Rwandais ou Basala M23. Alors, une partie Wana. Il y a bandeko wana balongwe na M23, il y a ba congolais o bakio sa na Rwanda na Kenya. Il bango mutu sko ba créer mouvement o wana o yo koné nanga annoncé bino. Et le mouvement que je vous parle ya koné nanga, ezali ko recruter batu na kati ya diaspora. Et moi la personne qui vous parle, j'ai été contacté. Je sais pas qui appelle moi anonyme. Par rapport à mouvement Wana, par rapport à ma solo, il y a Kosa la rébellion et quoi attaquer après ma cambia le 20 décembre.
J'ai été contacté et j'ai essayé de parler avec mes frères. Je l'ai dit en tant qu'un homme, hein, avec courage. Bazalaka plus proche Nanga. J'ai essayé de parler avec eux par rapport à contact Wana. Et sonner. Pour la koye par Mozindo Yamakam. Comme moi, je ne peux jamais jouer le rôle d'un espion dans le milieu de Rwandais. Un espion, c'est qui? Un espion, c'est quelqu'un d'effacé. Un espion, c'est qui? Un espion, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vraiment. Quelqu'un qui est public, comme moi, Georges Edgar va en parler. Parce que, bande de commissions, on va condamner un pour dire que pour la nini, on continue ma soloté pour au côté de Mozindo et Makambo. Non. Qui dit espion, dit un individu effacé, au babingaka, mouchard, nakati a service à renseignement. Quelqu'un qui fait des vidéos comme moi, quelqu'un qui s'attaque au Nilotique comme moi, et bah vidéo, il y a vidéo, je me suis attaqué au Nilotique. En citant bah, Kenya et tous ces pays-là, il y a EAC. Cette vidéo est récente. Parce qu'il y a des gens, pour lancer mon piège facilement, il y a des gens réfléchis de quoi la babiso, au quoi benganga. C'est pour cela que beaucoup de gens, je suis sur le cause à la nénga solo, à quoi comme la yo. Comme j'ai vu un jour, Eric Mandala Komaki, il m'a écrit, bonjour. Mais après, quand j'ai vu qu'il n'a pas à continuer dans ma soloté, j'ai compris que c'était lui la personne parce que n'a pas de contact. Mais comme je suis quelqu'un de très réservé, je ne m'ouvre pas directement sur la toile, surtout dans les réseaux sociaux, quel que soit le combo que je peux porter, attends, comment il y a des. Le problème, au même appel vidéo, j'essaie de voir et étudier. Même des appels vidéo triqués, moi j'essaie de détecter ça, une minute et ça est belé. Mais, Koyako solo là, Nangaï, pour Bande Koya, Kone Nanga, Lukutamabe, ils sont en train de recruter. Ils sont en train de recruter Nakati, il y a Diaspora. Ils sont en train de recruter. Bazo Zwabatu. Et nous autres, je comprends pourquoi est-ce que Bako contacte Ngaï. De un, je suis Kassaïen. Je suis Kassaïen. De deux, je sais communiquer. Donc, Nakati a mouvement Nabango, ils ont besoin de gens, il y a ma couche nyonso. Pour épais sa crédibilité, na valeur na mouvement Nabango, na avancement, il y a ma Kamo. Je préfère me battre de l'intérieur que aller m'allier avec des gens qui, je ne connais pas, source, il y a financement, parce que c'est la chose. Source, il y a financement, il y a rébellion, wana, il y a Bakone Nanga. Parce que c'est la première des choses. Koye ma source à financement. Parce que c'est à partir de la source et à financement, dès que vous voyez ma bateau, ma zone dirigée mouvement et à rébellion. Qui finance la rébellion? Bon, mon ami Jean-Pierre Bemba Yaka, n'a pas de MLC, bah, qu'il n'a qu'à rébellion. Je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui ont quitté l'Europe, au Bakeda, qui ont rejoint Jean-Pierre Bemba la rébellion, voilà, sans pour autant savoir que sous ces financements, il y a MLC et Zalaki Mousseveni. Les gens pensaient que Mbemba Saolo n'a pas la bombe rébellée, Jean-Pierre Mbemba reçoit l'argent de son père. Ce qui était faux. Alors,
na minute oyo quelqu'un de très radical il y a un moment la bande rebelle bakenda ko rejoindre par ba mouvement rebelle accueilli boyé a ou meli pété boyo ki ke akufaki soit na front soit ba betaka masasi bakolo bake ezali ba tokilo mo moto ba bomiye mais bango mo ba rwandé moto ba bomiye nde ba bomaka. Je pense que c'est ça qui est un grand doute. Il y a un musée, quand parmi les gens qui ont entouré le musée, le vrai Congolais, quand ils ont compris que les Rwandais ont manipulé Bango et ont utilisé Bango dans la rébellion, les Congolais ont fait la mise par rapport à l'avancée à Afdel. Ils ont été exécutés par le militaire rwandais au Bazaliki dans le musée. Et le musée était conscient de tout ça. Quand même il a joué à la sagesse pour arriver jusqu'au pouvoir. Et maintenant qu'on a fait ce qu'on est longinaillé. Maintenant, il y a des gens qui sont tellement attachés à la patrie qu'il va être difficile d'accepter certaines histoires. Na ba bakamloko la ba rébellion boy. Il va être très difficile d'accepter certaines histoires na makamloko la ba rébellion boy. C'est pour cela que je viens interpeller ici mon frère. Mon frère. Perrault Louara. Perrault, fais attention et sois prudent. Nous tous, nous sommes en train de nous battre et nous voulons, quel que soit moyen utilisé, toute procédure utilisée, autre que ça là, pour faire partie du Lomo. Nyonso, objectif na yango, ezali que Félix, c'est que tu le mona batunaye, balo mwanan. C'est ça l'objectif. Batu oyo, ndekonanga Perro azana bango. Ya azani na branche, ya rébellion oyo, deuxième rébellion oyo, batu ya Katumbi, ba John Numbi, bazana Kati, et consort. Perrault, il le sait, moi je l'ai dit. Ce qui n'a pas aussi. Botouna Perrault, il y a cela une semaine, il était où? S'il est sincère avec vous, Aïb Sabino, il était où? Il y a de cela une semaine. Donc, semaine où tu es aussi là, semaine où Anakuna, Perrault était où? Moi, je ne suis pas contre procédure naïon de Copero. C'est bien. Tu ne me dois partir. Mais yeba, avec qui? Naba nani. Et si tu es un vrai patriote, procédez n'est-ce pas procédant au boué. Moi, je viens dire, j'ai été contacté. Nabengi, j'ai appelé. Je peux, bon, je vais permettre, n'a pas été ma commune à Bangwawa, mais j'ai appelé deux de mes frères plus proches de Binoboyebi, Nabengi Bango, Nabete Bango Lissolo. Parce qu'il s'agissait que Bango Bazala, Bazala Pena Makamongo. N'a soleil là, Bango. Mais après analyse, parce que je vais vous avouer, quand j'ai reçu l'appel, il y a intégralité, il y a discours, il y a Koné Nangade. J'ai écouté ça après. Après analyse et des réponses données par Koné Nangade, n'a quelques questions au Ngana Tunaki. Le financement, il y a rébellion au Wana, il y a Koné Nanga. Les amis, qu'on route, il n'y a pas de biso, ma congolais, t'es. Alors, nous n'allons pas combattre Félix et Tshilombo avec ses partenaires nilotiques, Tutsi Rwandais, M23L Paul Kagame, Baobadaki na Kishasa, et aller nous allier avec des nilotiques kenyans pour faire partir encore Félix. Est-ce que tu allais changer le système ou tu allais ce système, tu allais bluffer les Congolais? Certes,
branche oyo yaba corner nanga. Il contrôle le système bancaire congolais. Parmi ba assurance au bango ba pesaki. Il contrôle le système bancaire congolais. Mais ils ont les raisons où était que nous, de Congolais, bah vrais Congolais, et surtout puis sur diaspora. Je ne sais pas si Baninga Mususu basu ba coup de fil ouana anonyme, ceux qui va bengi bango. Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, oh bah ils sont en train de recruter dans la diaspora. Ils sont en train de recruter dans la diaspora. Alors, il faut biso, surtout bah oui, biso, tous les bengako, nous sommes de vrais patriotes. Biso bato oh, tous les bato, tous les bonnes lambo que la nenga solo. Il faut que toi qui ne makana makani sla biso musika pour voir loin. Nous devons faire partie Félix Tshilombo pour que biso ba congolais toute la gestion ya mboka na biso à 100% na maboko. Voilà l'objectif il y a combat d'action depuis Tobanda Yango. C'est avoir le contrôle à 100% il y a mboka na biso. C'est ça l'objectif. Tout ça la bouso ba au biso ba congolais tout ça là qu'on a 2000 à entrée à fidélité. Je répète. Tout ça la bouso ba au biso ba congolais tout ça là qu'on a na entrée à fidélité. Parce que certes Musa Yaki na ba Rwandais. Mouzé Ayakina Barwande. Mouzé est venu avec le Rwandais. Et après Mouzé s'est comporté en vrai patriote. Il a tourné le dos au Rwandais. Mais quand Mouzé a tourné le dos au Rwandais, nous, le Congolais, et surtout la diaspora, nous comprenons qui Mouzé était. Nous comprenons qui Mouzé était. Nous n'avons pas appuyé Mouzé à 100%. Parce que ce qui peut se faire congolais, toi, pour y aller, Mouza à 100%, Mouza allait être en vie. Ce qui peut se faire congolais, toi, pour y aller, Mouza à 100%, Mouza allait être en vie. Mouza savait que chemin où il y a un prétaki. Il allait, ces gens-là allaient assassiner Mouzé par tous les moyens. Mais lui-même Mouzé, ce qu'il soit qui soutient Abisso, peut-être Batouana Balinga qui va combattre pour qu'il ne soit retiré pour moi, il a été. Mais au lieu de soutenir Mouzé, qu'est-ce que nous avons fait, nous, les Congolais, surtout la diaspora congolaise? Au lieu de soutenir Mouzé, qui avait donné vraiment le dos aux Rwandais pour l'intérêt national, Mouzé qui s'est transformé, qui est devenu un vrai patriote, un résistant, un vrai soldat du peuple, nous n'avons pas soutenu Mouzé. Nous, diaspora, nous sommes allés soutenir Jean-Pierre Bemba. Nous sommes allés soutenir Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba qui était soutenu par les gens qui combattaient Mouzé parce que Mouzé s'était transformé en résistant, en vrai patriote, en vrai, un vrai Congolais. Nous sommes allés derrière Jean-Pierre Bemba pour combattre encore Mouzé, qui était vrai avec nous, Congolais, qui luttait pour l'intérêt des Congolais. Beaucoup de gens qui ont alimenté le Mercé, ils ont dit, il y a diaspora, c'est la diaspora congolaise. Et pas la moindre.
Ce sont des intellectuels, la crème de la diaspora congolaise, comme de Denis Essanga et consorts, qui se sont retrouvés derrière Mouzé. Le François Mouamba et consorts, qui se sont retrouvés derrière Jean-Pierre Bemba plutôt. Mais Jean-Pierre Bemba avait le soutien de qui? Jean-Pierre Bemba avait le soutien de Moussa Veni. Et qui dit Moussa Veni dit Paul Kagame. Et ces gens-là combattaient Moussa pourquoi? Parce que Moussa avait refusé de leur donner le Congo. Mais nous n'avons pas compris ça. Nous sommes allés nous aligner derrière Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, ces gens nous contactent encore, nous, diaspora. Tout ça, la bouzo, bawana, tout ça, la thé. Tout ça, la bouzo, bawo, tout ça, la kate. Et même après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, la classe politique congolaise n'avait pas vraiment compris pourquoi ces gens-là ont assassiné Laurent Désiré Kabila. Parce que si la classe politique congolaise avait compris à l'époque, pourquoi ces Nilotiques-là ont assassiné Moïse Laurent Désiré Kabila? L'UDPS, l'actuel parti au pouvoir actuel, l'actuel parti au pouvoir, n'allait pas s'allier à Paul Kagame. Parce que à San City, l'UDPS travaillait avec Paul Kagame, avec le Rwanda. Et Étienne Tshisekedi avait envoyé ses collaborateurs pour aller résider à Kigali et travailler avec ces gens-là par rapport à Bokozio et à Banaï Koluka. C'est bien. Moi, je suis partant par rapport à. Il faut faire partie Félix Tshisekedi, il faut changer les systèmes, il faut chasser cette classe politique au pouvoir. C'est bien. C'est le souhait de tous les Congolais, en général. Au moins 99% ou 98% des Congolais veulent le changement. Et Batbazaï n'a pas ça à cause de la, comment la Félix n'a baninga n'a été copié Congo. Ça, c'est vrai. Mais nous ne pouvons pas nous allier na ba rébellion au Yomi Balé. Je dis bien, c'est des mouvements rebelles créés par quelques Congolais de service, parce que moi aujourd'hui, je sais que ceux qui m'ont contacté vont être déçus, mais je le dis, je ne peux pas m'allier avec des gens qui travaillent avec des Nilotiques qui veulent piller nos minéraux, s'approprier nos terres. Que ce soit les gens qui sont avec Corneille Nanga, rébellion à Corneille Nanga, composé de Corneille Nanga, quelques politiciens congolais, et une partie, il y a M23. Parce que ceux qui battent Basubison à Katkati, au début de cette émission, Nassina Ebisibinoko, le M23 est actuellement divisé en deux. Bakabwani en deux. Il y a une partie. Il y a Racine à M23. La branche rwandaise est restée avec Paul Kagame. Exécute les ordres de Paul Kagame. Il y a une autre branche composée majoritairement de Congolais qui travaillent pour le M23,
qui se sont alliés à Corné Nanga. Ne branche wana bomoni bakutani wapi et pas Ruto. Alors, biso ba congolais, il faut toute la sagesse, na intelligence, y a ne pas que ça la bouzo ba oyo, bande kona biso ebele ba salaka à l'époque il y a MLC. Nous devons faire partie Félix Tshisekedi, mais la question reste avec qui? C'est ça la grande question. Félix doit partir. Le système de Félix doit partir. L'IDPS doit partir. Mais avec qui? Et point de vue Oyangaï, en tant que vrai patriote, congolais de père et de mère, ça ne va, un vrai congolais ne peut jamais exécuter opération Wana avec branche ya Corné Nanga, to branche ya John Numbi Oyezali, qu'on travaille na Batia Katumbi. Et la branche où il y a Moïse Katumbi, Denis Essanga, a allé charger, il y a pour travailler dans le plan B. C'est lui le coordonnateur, il y a plan B. Dans le il y a ensemble à Moïse Katumbi. Par plan B, vous voyez que les animaux solo, il y a rébellion. Je profite na direct Oyo. Pour dire et lancer un message à tous les éléments de Kamuina Sapo. Je sais que beaucoup d'entre vous boyo Kakanga. Mais les Kamuina Sapo, ils allient un peu partager. Ils allient Kokendeti Kota Baluiza. Quand nous enjeu, si les matchs à Kouboué n'ont mal ou à ses sangato. Badikou n'ont pas ses sanga. Bah, Rwandais. Tu l'as en aï entre toi et toi. Tu fais ta chilombo. Tu dégages chilombo, ne bande ben. Bwesha ordre mujitunga mwana wa mwena Kongo angata bukalenga kanu enji bile le dakubwele mwana wa sesanga to sesanga ki uji ufinanse mwana wa jimunu ambila auto je di, je repete jingambulule sesanga ki uji ufinanse mwana wa jimunu ambila auto. Makutaja lui le kuba benda, makutaja lui le pambelu. Une partie multinationaux, une autre partie Rwanda. Quand nous voyons du mal à se sang à auto, tu l'as entre toi et tout, tu fais tu l'ombre.
bolimbisanga bandeko, c'est important pour le bayango. Alors, nazali ko clôturé dossier oyo ya ba rébellion. Na message on a lancé ndeko na ngai Péro Loire. Sois prudent. Sois prudent. Très prudent. Je suis au courant de là où tu étais. Ça ne sert à rien d'ailleurs pour le baron Awa. Parce que je ne te condamne pas. Parce que moi aussi, je me bats comme toi. Objectif Félix Akende. Mais sois prudent. Nous allons faire partie Félix avec qui? C'est ça la question. Tout ça la erreur Oyo Bandeko na biso ya diaspora basala kana Jean-Pierre Mbemba te. D'aller s'allier à Moussé venir et combattre Moussé, Moussé qui travaillait maintenant pour l'intérêt du Congo. Je ne dis pas que Félix le fait actuellement, non. Félix est aussi avec ces gens-là. Ici, c'est les intérêts qui se jouent. Ce qui s'est passé, RRO Félix Assali, c'était pour faire venir des militaires à EAC. Quand ces militaires-là sont venus dans notre pays, ils ont donné le rapport d'un dirigeant à Bambo Kanabango par rapport à la richesse et à Congo Bango Bamoni. Et ceux-là aussi ne veulent pas maintenant tout laisser au Rwanda, que Rwanda a bénéficié Yemoko. Voilà comment est-ce qu'ils ont manipulé pour que Bapanza M23 et bas créer mouvement Oyo va créer avec Corné Nanga. Alors, tout ça la erreur wana te bande konangaye. Tout ça la ba ex-France na poto awa. Tout ça la ba EDSP ya kala na poto awa. Tozali na ba soda wo ba travana marcha Mobutu bazali na poto awa. Ba mususu bazali na kati Afrique. Organisons-nous dans la diaspora et tout trouver solution mususu par rapport ya mayo tozali na pour réaliser changement. Nous sommes capables de le faire. Nous pouvons le faire. Mais il faut biso moko to koma na niveau wana. Pour arriver à ce niveau, nous devons être prudents. Et puis koyé bako Batunion sur les 9 pays voisins de la RDC, tous ces 9 pays voisins envient nos minéraux. Tous ces gens-là, ils veulent piller nos minéraux. Moutou, à quoi ça vient noter que parmi les 9 pays voisins RDC, ce sont des amis de la RDC, basali qu'on travaille pour que la RDC puisse se relever. C'est faux. C'est faux. Que ce soit même l'Angola. Pétrole n'a plus chaud. Bangolais va exploiter Kango, côté Abakongo, qu'on a. Donc, soyons prudents, tofumolamisu, et toko yana bousso bate, oe bande qu'on a plus chaud, bako yaka na japer mbemba pour combattre Mose. Comme ça, l'opération Yamandouk, pour faire partie Félix, nous pouvons le faire entre nous Congolais et y arriver. Si Corné Nanga avait lancé l'appel à Zala Mikilia Poto Awa à convoquer Bisso, à solliciter Bisso, na manda mama koki et Azalina Yango, que Tokita, pour faire partie Félix, quand de Babenga Kingawana, j'allais moi-même venir ici pour faire la promotion. Il y a mouvement Wana et vous dire que je suis parti. Non, ça, c'est ma directité. Je me suis aligné. Je suis avec tel monsieur. Nous travaillons ensemble. Et j'allais appeler Bandegonyo sur Bazana Katia VPSN, Alliance de Vopatrice pour un Congo nouveau, pour leur dire que voilà, Bisso, Makaniso, Yangaï, n'a évité ce bino pour moi, mouvement à Bisso, toujours s'allier na Nekokone, Nanga pour que Tokenbi. Ce qui Bandegonyo VPSN, Baboy, te créer. Plateforme sous ces cigarettes na poto awa, donc bien on attend amour patriotique, une plateforme, il y a un mouvement, il y a diaspora, parce que bah maintenant bah dans le mouvement na bango,
Et moi, je ne vois pas de Congolais, dans les naïbes du comportement à Ebiso, quelqu'un qui va, côté qu'un mouvement où il y a lié, pour que, aïe, pourquoi t'as un mouvement où il y a un ciment. Bah, pour me faire ça, bah, fonction, bah, coordonnateur, bah, bon aboué. Mais, nous pouvons créer une plateforme, il y a résistance, oyo, t'as qu'on s'en a mis sur basso, et puis t'as créé coordination, il y a plateforme, voilà, et t'as s'allié à la bande de Moussou sur le coup, là, bah, qu'on est là, s'il était vrai. Quand il m'a contacté, voilà, moi, j'allais appeler, là, il y a Patrick Fondia, là, il y a Moussou, t'as créé une plateforme, parce que nous pouvons pas partir, adhérer dans un mouvement, il y a rébellion comme les adeptes. Non, non. Non. Nous devons y aller comme de partenaires. C'est-à-dire que là où on prend des décisions, tout ça, on a mis ça au vendu. Nous décidons ensemble parce qu'il s'agit du pays, de notre propre pays. Nous n'allons pas laisser des Rwandais ou des Nilotiques décider à notre place. Alors, moi aujourd'hui, je me trouve dans la position que je ne peux pas répondre à cet appel. Il y a rébellion Oyo, je ne peux pas répondre, je suis désolé, je ne peux pas répondre à cet appel pour aller m'allier avec des gens qui travaillent avec des Nilotiques et suite à ma Nilotique et mon discours par rapport aux Nilotiques, il faut être bête pour entrer dans le mouvement pareil. Moi je fais des vidéos ici, je critique le Rwanda, je critique tous ces pays Nilotiques qui entourent la RDC, je cite les noms des gens. Et ce ne sont pas des vidéos de 1000 vies. C'est des vidéos de 80 000 vies. 100 000 vies. Maintenant, quand je fais des vidéos pareilles, et après demain, parce qu'on m'a appelé, c'est ce que j'avais dit à Général Bamouela, je ne peux pas m'affoler par rapport à ces coups de fil. C'est parce qu'on m'a appelé que, voilà, Malamoko, voilà, maintenant, donc nos Amandouki, comme je rêve ça, nos Amandouki, nous allons aller nous battre. Pour faire partie Félix Tshisekedi Tshilombo, mais tous ces gens-là, tous ces Nilotiques-là qui ont regardé mes vidéos, c'est là où on empoisonne les gens. C'est là où on empoisonne les gens. Tu retrouves, tu es parti au front, Namakambuya Yabitumba, et tu ne comprends pas directement, on t'a liquidé, tu es parti. Voilà pourquoi j'interpelle, je continue à interpeller mon ami et frère Perrault Louard. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Le Congo a encore besoin de toi. Tout ça, la posa na yo. Le franc parler, le courage, ta façon d'analyser, de réfléchir na makambo Italie République. Tout ça, on a posa. Nous avons encore besoin de ça. Fais vraiment attention à toi. Oyebi Esika Ozalaki. Tu sais là où tu étais. Et moi, à ta place, moi je ne suis pas journaliste. Si c'est que tu as touché Oyozui Yango, parce que Oboi qui est transaction et Salema, pour que pas brandir en lobby. Ils ont intelligence, Nayo, tu es intelligent, tu l'as fait comme ça. Mais fais attention par rapport à format, il y a groupe Wana. C'est normal que nous en bons, nous avons un espèce, au bout, il va faire nos transactions pour passer nos chantages d'obité. Parce que tu sais, mais fais attention à toi. Je le répète, fais attention à toi. Et je le dis avec amour, en tant que Ndekonayo Congolais. Il faut vraiment faire attention. Tozo Kotasikoyo Makambuya. Élection. Le mercredi prochain, les gens vont aller voter. Je suis en train de suivre les gens dire que voilà, tel et tel doivent s'allier pour affronter Félix Tshisekedi Tshilombo. Mes frères et sœurs, en politique, pour être allié, il faut avoir de mêmes objectifs. Ou une vision commune. Je ne sais pas pourquoi dans la classe politique ou dans la tête de beaucoup de Congolais, il n'existe pas cette façon de voir les choses qu'en politique, il y a toujours ce qu'on appelle la gauche et puis il y a toujours ce qu'on appelle la droite.
Vous appelez Denis Mukwege de s'allier à Martin Fayulu. Nous sommes à quelques jours de la date fatale, le 20 décembre. C'est le mercredi prochain, du jour des élections. Au cas où, entre parenthèses, hein, s'il y aura élection, bien sûr. Martin Fayulu va s'allier à Mukwege. Sans pour autant que les deux puissent faire fusion de leur projet de société. L'alliance en politique ne se fait pas sur base de paroles. Je répète, l'alliance en politique ne se fait pas sur base de la parole donnée. Parce que la politique est dynamique. Il ne faut pas faire que aux alamotos, ça la science politique pour comprendre cela. C'est quoi la vision de Fayulu? C'est quoi la vision de Mukwege? C'est quoi la vision de Fayulu et c'est quoi la vision de Mukwege? Ils vont se rallier sur base de quels principes? Moi, je me rends à ce que Bissoba Congolais, tout comme à un niveau, il y a qu'on réfléchir et regarder loin. Allez-vous partir où il y a sentiment, partir où il y a penchant tribal, où il y a un monde dans la carte, il y a Bandeko Ebele. Dans ce que nous sommes en train de faire dans la résistance, soit on accepte de rester combattant, d'être lié à la patrie, continuer à se battre pour le bien-être général et à peuple congolais dans son ensemble, soit on accepte d'être militant d'un parti politique ou adepte d'un parti politique parce qu'au Congo, il y a des militants et puis il y a des adeptes. Un vrai combattant, un vrai résistant ne peut jamais s'allier ou s'aligner derrière un homme politique. Est-ce que vous savez pourquoi, en politique, il y a souvent, actuellement on parle même de la troisième voie, mais en politique il y a toujours trois vents. Il y a ceux qui sont au pouvoir, il y a l'opposition, il y a la société civile. Et comme les Congolais aiment toujours extrapoler et créer des histoires pour se faire une place, aujourd'hui on parle des centristes ou la troisième voie. Maintenant, quand tu es un combattant, un résistant, quelle est ta place parmi le 3 ou le 4 Moi, en tant que résistant,
Ma place est dans la société civile. Parce que dans la société civile, je suis du côté du peuple. Je condamne l'opposition, je condamne la majorité. Je me bats pour l'intérêt général et surtout l'intérêt des plus démunis. C'est ça l'objectif. Alors, quelqu'un ne peut pas s'appeler combattant, résistant, en même temps, il se reconnaît dans un homme politique. Et aller jusqu'au point de porter les t-shirts d'un parti politique ou porter un t-shirt avec l'effigie de cet individu. Et surtout quand on s'est dit qu'on est leader d'opinion. Depuis que cette campagne électorale a commencé, vous pouvez me dire un endroit où vous avez vu l'actuel président de la République, Félix Tshilombo, qui est au pouvoir, s'attaquer à M. Martin Fayulu? Je dis bien, depuis que Kadima a annoncé ses élections et que la campagne électorale a commencé, pouvez me dire un endroit où vous avez vu Félix Tshisekedi s'attaquer à Martin Fayulu? Pouvez me donner une vidéo ou me montrer une vidéo où vous avez vu les gens du parti politique, les militants de Martin Fayulu s'en prendre aux militants de l'UDPS? Le prince Epeng et le consort, pourquoi leur discours a changé? Pourquoi ils sont plus actifs dans le média pour s'en prendre à Félix Tshilombo? Pourquoi? Jusqu'à présent, je respecte le début du combat de Denis Mukwege. Je dis bien, je respecte le début de ce combat. Je respecte le début de son combat. J'ai changé de camp. J'ai changé ma façon de voir les choses où je commençais à m'opposer à Denis Mukwege quand il s'est laissé faire ou quand il a accepté la manipulation de ceux qui sont à la base du génocide congolais. Depuis que Mukwege est prix Nobel de la paix, vous avez une vidéo où Mukwege est à côté d'un dirigeant politique européen ou américain, je ne sais pas, japonais ou quoi, pas en train de parler du génocide congolais ou faire
rapport, parler du rapport mapping. Mukwege a été reçu à la Maison Blanche par Joe Biden. Ils ont dîné ensemble. Vous avez suivi la déclaration de Biden par rapport au génocide congolais, plus de 12 millions de morts. Vous avez suivi ça dans la bouche de Biden? Le début du combat de Mukwege était bon. Ce sont les mêmes personnes qui sont à la base du génocide congolais, qui sont à la base de ce que nous sommes en train de vivre comme massacre à l'est de la RDC, qui ont cherché d'autres manières comment faire taire Mukwege. Et ils ont réussi à le faire taire. Combien de délégations, de dirigeants européens ou américains sont partis à l'hôpital de Panzi. Le roi belge était à l'est, était à l'hôpital de Panzi. Le roi belge. Vous avez suivi la déclaration du roi, il a parlé du génocide congolais? Il a fait allusion au rapport mapping? Le numéro 1 de la Cour pénale internationale était à Panzi. Il a parlé du génocide congolais. L'ancien président français était à Panzi. Est-ce qu'il a parlé du génocide congolais? Le secrétaire d'État américain est venu au Congo à maintes reprises. Et il y a une délégation qui est venue récemment de la dame qui coordonne FBI et consorts au service de renseignement américain qui était au Rwanda et qui a reçu votre président en République à l'aéroport. Elle a refusé d'arriver à la résidence, même au bureau de votre président en République. Pour la première fois, on convoque un président de la République dans son propre pays, on le convoque à l'aéroport. Elle dit, tu viens, on se voit à l'aéroport, on parle à l'aéroport. Elle parle avec le président de la République, elle reprend le jet, elle s'en va. Elle rentre aux États-Unis. Et après, vous avez la déclaration de votre gouvernement bidon qui dit qu'à partir d'aujourd'hui, on interdit aux FARDC d'être en contact avec le FDLR. Et quelle a été la réaction du Rwanda? Le Rwanda a fait quelle déclaration par rapport au M23? Il y a eu massacre de jeunes de Goma, de jeunes qui se sont levés contre la MONUSCO, qui réclamaient le départ de la MONUSCO. Vous avez entendu la déclaration de Denis Mukwege par rapport à cela pour condamner ça en tant que prix Nobel de la paix? Il était ici à Bruxelles. Il faut enlever les sentiments de foi dans ce que vous êtes en train de dire aux gens. Tous ces pays de l'Afrique de l'Est, là où il y a eu le coup d'État, les Ibrahim Traoré, ces jeunes de 35 ans qui ont fait le coup d'État, tu as les Tchani au Niger, tous ces pays qui ont fait le coup d'État. Vous pouvez me donner le nom d'un de ces dirigeants-là
qui a pris des avions pour aller se promener ici dans les ambassades, être reçu, aller dîner avec des présidents américains conscients pour apporter le vrai changement dans leur pays. Ils ne l'ont pas fait. Par contre, ils sont combattus par les États-Unis, par les Européens, pas par la France. Ils sont combattus, ces gens-là. Ils ont pris leurs responsabilités à deux mains et ils ont dit trop, c'est trop. Et ils ont mis les Français dehors. Pourquoi nous, les Congolais, ne pouvons pas réfléchir de cette façon? Pourquoi nous ne pouvons pas aussi réfléchir comme ces gens-là? Ce sont des Africains comme nous, ce ne sont pas des Blancs. Nous pouvons nous dire que non, voilà, c'est des Marocains. Parce que des fois, nous, on pense que les Marocains sont des Blancs, la peau blanche, nous sommes complexés. Mais les Tchadiens qu'on soit là, ce sont des Noirs comme nous. Pourquoi nous devons toujours réfléchir, genre, non, parce que c'est le prix Nobel de la paix, parce qu'il a été reçu par le président américain, il a dîné avec le président américain, avec le premier ministre indien, je me rappelle ce jour-là, et j'ai même suivi un journaliste congolais, très suivi sur les réseaux sociaux, en train de dire ça, de Télé Tchangou, Fabien Kouswanika, que non, Kaouza, il a dîné avec Biden, c'est-à-dire que les choses vont changer, c'est lui qu'on a choisi par Biden. Est-ce que, parce que vous savez, dans ce pays-là, on ne peut pas avoir de vrai changement sans pour autant que ces gens-là puissent donner leur aval. On ne peut pas avoir le vrai changement sans pour autant que ces gens-là puissent donner leur aval. Je dis un Congolais qui réfléchit comme ça. Et ce n'est pas un abruti, hein, c'est quelqu'un qui est parti à l'université. Hein. Pourquoi? Parce que Mukwege a dîné avec le président américain. Mais vous, Congolais, vous, mes frères Congolais, vous oubliez qu'en 1994, après le génocide rwandais, les Américains ont chassé le Français à l'est de la RDC pour qu'ils organisent l'entrée de l'AFDL et chasser le maréchal Mobutu. Ils ont refusé de faire exécuter leur plan via les Nations Unies par rapport au génocide et gérer la fuite de réfugiés rwandais qui se retrouvaient à l'est de la RDC. Ils ont refusé de passer par les Nations Unies. Ils ont créé leur propre système. Là où ils formaient des militaires pour renverser Laurent Désiré Kabila et le maréchal Mobutu. Et comme le maréchal Mobutu avait le soutien de l'Angola, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés échanger avec les Angolais. Ces mêmes Américains là, ils sont allés échanger avec les Angolais pour dire on va vous débarrasser de Savimbi, comme ça vous allez laisser le Rwandais passer pour entrer à Kinshasa. Savimbi a été exécuté pour avoir la tête du maréchal Mobutu. Et c'est un ambassadeur américain qui vient annoncer au maréchal Mobutu en personne en lui regardant tout droit dans les yeux que monsieur, vous devez partir jusqu'à telle date, sinon votre cadavre va être traîné dans les rues de Kinshasa. Et quand il est sorti, il y a eu point de presse des journalistes congolais, des micros des journalistes congolais, et c'est un blanc, hein, un américain, qui vient vous annoncer des bêtises dans votre propre pays. Quel que soit ce que le maréchal Mobutu avait fait, mais c'était pas à d'autres personnes de décider de notre avenir. Mais nous avons laissé ces gens-là décider pour que le maréchal Mobutu puisse partir. Ils ont laissé l'AFDL venir
Et quand l'AFDL arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'on constate? Ce sont des Rwandais qui sont arrivés dans notre pays. Et la majorité de nos militaires, formés par le maréchal Mobutu, cette armée qui était respectée en Afrique, qui a mené des guerres au Tchad, partout là-bas. Nos militaires ont été empoisonnés, exécutés dans le camp militaire, par ces gens-là. Et ce sont de mêmes personnes qui vont prendre un individu que moi je ne condamne pas pour ce qu'il faisait au départ. Hein. L'homme qui soigne les femmes, l'homme qui répare, quand même que je ne suis pas d'accord avec le terme de réparer les femmes, parce que la femme congolaise n'est pas un instrument à réparer. Voilà. Il faisait son travail de gynécologue pour soigner toutes ces femmes violées par le militaire rwandais et consorts. Et ce sont de mêmes personnes qui sont à la base de nos, du génocide congolais, qui sont à la base du désordre que nous sommes en train de vivre depuis le départ du maréchal Mobutu. Ce sont les mêmes personnes qui vont encore prendre l'individu pour lui faire de lui prix Nobel de la paix, et puis commencer à lui donner, lui décerner des prix par-ci, par-là. Mais nous, on oublie, nous, Congolais, on oublie que ce que nous sommes en train de vivre, c'est à cause des Occidentaux, c'est à cause des Américains. Moi, je vous parle, je déteste Félix. J'aime pas la personne de Félix. J'aime pas les systèmes de Félix. J'aime pas tous ces gens-là qui sont en train de piller le caisse de l'État actuellement avec Félix. J'aime pas ces désordres qui est au sommet de l'État. J'aime pas. J'ai du mal. Je n'arrive pas à supporter la souffrance de mes frères et sœurs congolais. Cette population qui souffre. Mais je ne serais pas d'accord que nous puissions travailler avec les mêmes personnes qui sont à la base de nos malheurs, qui sont à la base de ce que nous sommes en train de vivre, pour faire partie Félix et remettre encore ces gens-là, leur système au pouvoir. Non, Félix doit partir pour que de vrais Congolais puissent reprendre le Congo à main et mettre tout en ordre. Donner au Congo sa place dans les concerts des nations, c'est ça l'objectif de notre combat. Que le Congo retrouve sa place dans le Conseil des Nations. Point barre. Que le Congolais, la population congolaise, puisse vivre, bénéficier de ses ressources naturelles. Que la population de Bujumaï puisse jouir, manger l'argent de tout ce qu'on voit, qu'on retrouve là-bas comme diamant. Que ceux qui sont dans le Katanga puissent jouir de tout ce qu'on retrouve comme cobalt, comme tout ce que vous voyez là, des histoires pour fabriquer le voiture électrique et tout machin. Alors, nous n'allons pas remettre le même système au pouvoir et dire que non, voilà, nous allons nous allier à tel, ou soit nous allons demander à tel de s'allier avec tel parce qu'il est prix Nobel de la paix. Non. Non. Je vais terminer cette vidéo en disant ceci à mes frères et sœurs de la diaspora. Je vous ai annoncé, moi je vous ai dit ce que moi je vois et ce que je pense. Il y a deux rébellions en gestation et dans les deux rébellions en gestation, ils sont en train de recruter les gens dans la diaspora. Vous avez suivi la déclaration de Corneille Nanga avec la branche de du Congolais des services de M23. Il y a une autre rébellion en gestation. Ça, c'est géré par les camps de Moïse Katumbi et tous les gens de Joseph Kabila, les anciens de Joseph Kabila, les jeunes non bien consorts là. Ils ont leur histoire aussi à eux. Si Félix se maintient au pouvoir par la force, ils vont mettre ça en marche. La question reste pour les deux rébellions en gestation. Qui est derrière? Qui finance?
C'est quand vous allez trouver la réponse à cette question que vous allez comprendre que nous ne pouvons pas faire l'erreur que nos frères ont fait à l'époque avec Laurent Désiré Kabila. D'aller soutenir Jean-Pierre Bemba pour combattre Laurent Désiré Kabila, qui s'était déjà transformé en vrai patriote, qui travaillait pour l'intérêt général des Congolais, mais qui était combattu parce qu'il est arrivé au pouvoir avec le Rwandais et il ne voulait pas diviser le Congo avec le Rwandais. Et il avait raison de se comporter comme ça parce que c'est un vrai Congolais. Alors, nous ne devons pas faire l'erreur de nous retrouver dans le mouvement comme le MLC. Parce que l'histoire de Corneille Nangaa ici, moi je vois ça comme le MLC de Jean-Pierre Bemba à l'époque. C'est comme ça que moi je suis en train de voir ça. Alors, soyons prudents. Nous pouvons nous organiser entre nous et faire quelque chose de bien et faire partie Félix Tshilombo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Un grand merci à Nabino Bansone Bolanda Kebiso, Tokutani Balasima. Partagez les directs dans ma plateforme Nyon Sondengi Bino Boko Monayango. Je répète, moi, je suis quelqu'un qui est attaché à la patrie. Je n'ai pas de penchant politique ni de penchant tribal. Si quelqu'un pense qu'il va soutenir quelqu'un parce qu'il est de chez Fayulu, c'est sa décision. Mais moi, je fais ma part de travail de venir vous parler comme un leader d'opinion, de venir vous parler comme un vrai patriote pour qu'ensemble, nous puissions vraiment trouver la solution et libérer ce peuple. Parce que peuple, il ne faut pas crier diaspora, diaspora dans les vides. Il faut faire diaspora, diaspora avec une diaspora intelligente, une diaspora consciente, une diaspora qui sait là où il est en train de partir et ce qu'il fait. Une diaspora qui sait avec qui il faut travailler et avec qui il faut mener, continuer ce combat de la libération. Et autre chose, un combattant, un résistant, un vrai patriote, ne s'aligne pas derrière un homme politique. Et surtout cette classe politique congolaise pourrie et corrompue. La patrie ou la mort nous vaincront. À la prochaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Georges Edgar Bampale. Et bien, il y a un Congo, il y a un vrai patriote résistant. Georges Edgar Bampale, depuis quelque part en Europe. À la prochaine.